Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous pénétrez au Parc des Princes alors que la rencontre internationale France-Autriche est commencée depuis 1 minute 30 secondes exactement. Les Français sont à gauche, maillot foncé, culotte blanche. Les Autrichiens à droite, maillot blanc, culotte noire. Bien sûr, rien n'a encore été marqué puisque le match n'est commencé que depuis 2 minutes. Mais déjà par deux fois, par Rodiguero et par Auxerre, les Français ont eu deux occasions de tirer au but. Malheureusement, en ces deux occasions, la balle est passée à côté du but, défendu par Freidl. Puisque la balle est actuellement au centre du terrain, dans les pieds de Buzek, l'avant-centre autrichien. Très rapidement, je vous donne la composition des équipes, car il y a quelques changements dans l'équipe autrichienne, surtout. Alors que l'arbitre fait signe ici qu'il n'y a rien, donc pas faute à l'encontre de Buzek. L'équipe d'Autriche qui joue donc à droite, maillot blanc, culotte noire. Freidl est dans les buts. Alors que c'est Simon ici en pointe qui se fait museler par Kohler. Les Autrichiens, balle contrée par Bosquier, la balle dans le rond central. Freidl est donc dans les buts numéro 1. Arrière droit numéro 2, Halla. Arrière gauche numéro 3, Gleckner. Demi droit numéro 4, Kremser. Demi centre arrière central numéro 5, Binder. Demi gauche numéro 6, Ullmann. La ligne d'avant autrichienne étant formée de droite à gauche par Hirnschroth, ailier droit numéro 7, Seitel avance à intérieur droit numéro 8, Buzek avant-centre numéro 9, Kohler intérieur gauche et capitaine numéro 10 et Hormayer, ailier gauche numéro 11. Pour l'équipe de France, c'est la formation indiquée avec la rentrée de Bernard, gardien de but et capitaine. Arrière droit numéro 2, Djorkaeff, arrière gauche Bosquier numéro 3, Djorkaeff est de Lyon, Bosquier de Sochaux. Demi-droit numéro 4, Perry du Stade français. Attaque ici de Auxerre sur l'aile gauche qui déborde son vis-à-vis, centre. Mais la balle parvient jusqu'à Freidl. Donc demi-droit numéro 4, Perry du Stade français. Demi-centre numéro 5, Deveau de Strasbourg. Demi-gauche numéro 6, Bonnel de Valenciennes. Intérieur droit, Simon de Nantes. Ailier droit, Lèche de Lens. Avant-centre, Rodiguero de Rennes. Intérieur gauche, l'oncle de Rennes et ailier gauche, Auxerre de Strasbourg. Rodiguero qui a cherché Auxerre. Rodiguero toujours, qui à la régulière a chargé à l'épaule à la, toujours la balle. Auxerre, centre de Auxerre, la défense autrichienne très recroquevillée, se dégage par Seitel, Hirnschroth. Buzek maintenant. Hirnschroth. Perry. Bosquier. Faute autrichienne de Hirnschroth et coup franc pour la France. L'arbitre de ce match, je ne sais pas si je vous l'ai signalé, est un Belge, monsieur Gelouk. Buzek. Hirnschroth. Buzek à nouveau. Hullmann aux prises avec Simon. C'est Hullmann qui a le dernier mot. Attaque très vigoureuse de Djorkaeff. Et Lèche qui est venu chercher son ballon bien loin. Djorkaeff. Bonnel de la tête. Simon. Rodiguero. Redonne pour Simon. Ah, et Simon est à deux doigts de marquer le but. L'arbitre n'avait pas sifflé hors-jeu. Vous avez vu le sang-froid de Simon, qui, je pense, a dû se croire hors-jeu. C'est la raison pour laquelle il a perdu 2 ou 3 secondes. Mais l'arbitre n'avait pas sifflé et Freidl a eu le temps de revenir. Première occasion de but, en tout cas très sérieuse pour la France. Touche favorable à la France, concédée par Seitel, l'intérieur droit autrichien. Début de match en tout cas tonitruant de cette jeune équipe de France, car on peut dire qu'elle est jeune malgré la présence de Bernard, 33 ans dans les buts, et les débuts de l'oncle, 29 ans. Kremser. Tête de Perry. Bosquier. Simon. Simon qui a eu la cote d'amour lors de la présentation des équipes, c'est-à-dire que c'est lui qui a été plébiscité par ce public. Balle en profondeur de l'oncle pour Rodiguero, mais Halla est là. Et heureusement que Freidl était sorti, car Rodiguero avait quand même pu toucher ce ballon. Les Français en veulent terriblement en ce début de match, ça se sent. Perry. Binder. Kohler.
Devaux, Bonnel, Simon, derrière lui, il laisse Alèche, redonne à Simon, que c'est bien joué tout ça. C'est très bien joué, Simon, aux prises avec colère, Lèche, hors-jeu, oui, oui, très juste. Les Autrichiens avaient levé le bras, mais ça n'était pas nécessaire. Le public applaudit, car vraiment, nous avons un très bon début de match. Ce public est assez nombreux ce soir au Parc des Princes, 30 à 35 000 spectateurs environ. La pelouse, malgré tout ce qui est tombé en eau sur la capitale, est ma foi fort bonne. Gleckner. Ian Schrode, centre du pied droit. Heureusement que Bosquier écarte le danger. Bosquier est là pour redonner ce ballon. Poser. L'oncle. L'oncle toujours. Marcel Loncle, le Rennais, excellent technicien, donne un autre Rennais, Daniel Rodiguero. Balle contrée par Kohler, Hullmann. Hullmann toujours, pour l'Autriche, bien entendu. Buzek, face à Lesch. Kremser. Hormayer, à moins que Djorkaeff soit le premier sur cette balle. Oui, Djorkaeff, le Lyonnais, a pu donner en retrait à son capitaine Pierrot Bernard. Loncle. Pour Rosaire. Kohler. Trop profonde ce ballon. Beaucoup trop profond. Devaux. Rodiguero. Bonnel. Loncle. Pour Simon. Ah, hors-jeu. Hors-jeu Simon, mais de peu. Le public n'apprécie pas, mais faisons confiance à M. Guéluc, l'arbitre belge. Il était très bien placé pour juger si oui ou non Simon était en position de hors-jeu. Tête de Perry. Avec l'arrivée de Devaux et de Perry au centre de la défense française, nous avons là deux hommes de gabarit, car ils sont tous les deux grands de près de 1,80 m. Halla, l'arrière-droit autrichien. Ian Schrode. Mauvaise passe, l'oncle pour Rodiguero, marqué par Kohler. Kohler qui porte le numéro 10, vous le voyez, mais qui joue très très en retrait. Djorkaeff, Hullmann, Djorkaeff dépossédé du ballon, Buzek, Perry, Binder, Buzek, Devaux, très calmement donne à Simon. Simon toujours, Lèche. Lèche revient au centre, balle au pied, donne à Rodiguero. Simon a un rebond favorable et obtient le premier corner du match. Premier corner du match en faveur de l'équipe de France, donc concédé par Hullmann alors que l'on joue depuis 10 minutes. C'est Lèche qui tire le corner. Tête de Hullmann, Djorkaeff. Tir de Djorkaeff, colère dans les 18 mètres arrêt. Hormayer en retrait à son gardien. Perry en retourné et acrobatiquement. Le public aime ce genre de ballon. Bonnel, Lèche. Ah, la couverture de balle du Lensois est tout simplement extraordinaire. Mauvaise passe là, mais Bonnel récupère cette balle. Redonne à Lèche, Rodiguero. Il y a deux Français au centre qui étaient Bonnel et Simon. C'est Bonnel qui a la balle. Bonnel toujours, donne à Lèche. Hors-jeu signalé. Là, je ne crois pas que Lèche était hors-jeu. Mais enfin, le public proteste. L'action de Bonnel était remarquable. Vous avez vu comment il a démarqué Lèche. En tout cas, s'il était vraiment hors-jeu, c'est une question de centimètres, vraiment. L'oncle, Kohler. Binder. Verseitel. Perry. Bosquier.
Elle joue bien, vous savez, cette équipe de France. En tout cas, elle a de belles promesses en ce début de match. Non, il n'y a pas faute, là. Auxerre s'est laissé tomber. Hirnschroth. Hullmann. Tir contré. Petite toile de Devaux, mais sans conséquence, car Perry était là en couverture et Bernard était bien sorti. Rodiguero. Colère. Perry à nouveau. Hirnschroth. Tir du gauche de Hirnschroth à côté. C'est en fait le premier tir autrichien alors que l'on joue la 11e minute du match. Vous n'êtes arrivé au Parc des Princes qu'après 2 minutes de jeu, mais je crois que vous serez d'accord avec nous pour dire que l'équipe de France territorialement domine et que le début de ce match est bon, prometteur. Attendons la suite. Auxerre, marqué par deux hommes, c'est un trop mauvaise passe de Hirnschroth. Rodiguero laissé en retrait pour l'oncle. Va le redonner très bien pour Auxerre. Auxerre qui a débordé Binder. Auxerre qui a toujours la balle dans les 18 mètres. Oh, et qui donnait à Rodiguero, mais Friedl, bien sorti, prend cette balle alors qu'elle passait devant son but. Bonnel se fait prendre le ballon par Buzek pour l'Autriche. Hirnschroth. Ah, Hullmann a là une balle. Attention, Hullmann. Oh là là, que c'est dangereux et c'est le but. Hullmann marque le but sur une faute de la défense française. Hullmann est arrivé seul devant Bernard et marque le premier but du match alors que l'on joue depuis 13 minutes. C'est donc l'Autrichien Hullmann qui ouvre le score. Un but idiot, vraiment un but bête sur une faute de la défense française. L'Autriche mène donc par 1-0. Rodiguero. Bonnel. Bonnel toujours. Georges Lech. Oh, reprise acrobatique et difficile de Rodiguero, mais à côté du but de Freyd. Rodiguero, l'oncle. Auxerre. Bonnel. Rodiguero. Redonne derrière lui, Bonnel. Lech. Ah. Faute de main de Kremser. L'arrière gauche, en fait, autrichien, bien qu'il porte le numéro 4. Et coup franc tiré par Georges Lech. Simon, la balle ne sortira pas. Auxerre. Et corner, le deuxième, concédé par Gleichner. Alors que si la balle avait filé dans les buts sur ce corner concédé par Gleichner, c'était pareil. Car vraiment, c'était un véritable tir qu'il avait adressé vers son but. Auxerre tire le corner. Bonnel. Non, Bonnel était trop loin pour cette tête. Sans danger par conséquent pour l'Autriche qui mène par 1-0 depuis 2 minutes. Seitel. Faute de Bonnel. Et coup franc pour l'Autriche. Joué par Hullmann. Binder. Contré par Marcel Lancle. Les Autrichiens ont toujours la balle. Halla. Bernard. Espérons que ce but bête, vraiment le prototype même du but bête, n'a pas coupé les jambes à cette équipe de France qui était bien partie. Je ne le pense pas, notez bien. Simon. Devaux. Bonnel. Lech. Devaux, résolument offensif, le numéro 5, demi-centre français. Non, la balle n'est pas perdue pour la France, c'est Bosquier. Bosquier qui tire de loin, mais au-dessus. Le public siffle, il a tort, car Bosquier
est un joueur qui possède un tir redoutable. Il a marqué de nombreux buts cette année avec Sochaux. Oui, charge irrégulière à l'encontre de Buzek, l'avant-centre autrichien, et coup franc pour l'Autriche à une trentaine de mètres du but défendu par Bernard. Colère tire ce coup franc. Bonne sortie de Bernard. C'est dangereux là encore car Buzek, l'avant-centre, avait suivi et c'est un homme de gabarit, croyez-moi. Djorkaeff. Ah, encore pas de chance, Rodiguero, la balle lui a rebondi sur le talon. Colère. Simon. Simon qui est marqué par deux joueurs autrichiens. Visiblement, la réputation du Nantais a franchi les frontières car les Autrichiens se méfient de lui. Balle en profondeur pour Hirnschroth, mais c'est Bosquier qui est le premier sur ce ballon. Simon, l'oncle, intelligemment joué l'oncle, dommage la balle est sortie. Il avait donné en profondeur pour Rosaire, son ailier gauche qui était loin au moment où cette balle arrivait. La balle est sortie. Djorkaeff, pour Simon, dans les 18 mètres Simon. Oh, balle à effet. Balle qui n'avait l'air de rien, mais qui n'est pas passée très loin du cadre autrichien défendu par Freidl. Les deux gardiens de but, l'autrichien Freidl, que vous voyez ici, et le français Bernard, ont tous les deux revêtu des maillots jaunes. Comme ils ont tous les deux des culottes noires, se ressemblent véritablement dans les buts. Freidl, gardien de but de l'Austria de Vienne et de l'équipe d'Autriche. Bosquier. Gleichner, Hirnschroth, aux prises avec l'oncle, à le dernier mot, Hirnschroth. Buzek laisse passer pour Ullmann. Binder, Buzek, Binder. Hormayer, l'ailier gauche, en position d'intérieur droit ici, remet au centre. Deux joueurs autrichiens se trouvaient hors jeu, l'ailier droit Hirnschroth et l'intérieur droit Seid. C'est donc un coup franc en faveur de l'équipe de France. Perry pouvant placer à Bernard. Vingt minutes de jeu, 1-0 pour l'Autriche. L'oncle pour Auxerre. Dégagement de Gleichner. Rodiguero. L'oncle. Bonnel. Lech. Bonnel, bien joué, redonne à Lech. Ah, Hormayer. Deveau. Simon. L'oncle. Colère. En retrait à son gardien. Faute de Deveau sur Buzek. Coup franc pour l'Autriche dans le rond central. Les deux équipes opèrent en 4-2-4, bien sûr. Les deux hommes du milieu autrichien étant Gleichner et Kohler, malgré son numéro 10. Les quatre de la défense, outre Gleichner et Kohler, étant Halla à droite et Kremser à gauche. Oui, faute de Kremser ici. Coup franc joué par Lech. Bonnel. Rodiguero. Djorkaeff, résolument offensif, Djorkaeff. N'oublions pas que c'est un ancien avant, centre en retrait. Et Gleichner se trouvait là pour mettre en touche. Rodiguero.
Bonnel. Bien joué, Bonnel, à l'oncle. Auxerre est tout seul à gauche. Simon va le voir. Voilà, Auxerre. Oh là là! Il y avait deux Français, là, les deux Rennais, l'oncle et Rodiguero, mais Freyd a été plus rapide. Tête de Buzek. Devaux. L'oncle n'arrive pas à contrôler cette balle. Hala a voulu donner à Seitl, l'intervention de Bosquier. Auxerre. Simon. Position d'ailier gauche. Tête de l'oncle. Tir de l'oncle. Oh, très bien joué. Amorti de la poitrine et tir du gauche. Mais bel arrêt du gardien de but autrichien, Freidl. Buzek. Hormaier hors jeu. C'était trop beau pour être vrai. Bien sûr, Rodiguero était hors jeu. Koller. Gleichner. Tête de Perry. Rodiguero. Lech. Bonnel. Ah non. La passe de Lech était légèrement forte. Légèrement trop fort. Et c'est une touche pour les Autrichiens jouée par Kremser. Djorkaeff, accroché par le maillot. Le coup franc est joué très vite par Lech. Simon, l'oncle. Pour Simon. Régulier, Simon. Le gardien ayant plongé, il a sauté par-dessus. Au risque de se faire mal, du reste. Bosquier sauvera-t-il ce ballon? Oui. L'oncle. Perry. L'un des deux demi-centres français. Perry qui remplace aujourd'hui Marcel Arteleza de Monaco. L'oncle. Simon. Hala. Faute sur Simon. Bousculé au moment où il allait contrôler ce ballon d'une façon irrégulière. Coup franc pour la France, joué par l'oncle. Auxerre. Auxerre toujours. Auxerre écroulé. Ullmann proteste, mais l'arbitre accorde néanmoins le coup franc à la France. Un coup franc qui peut être dangereux car il est à proximité des 18 mètres, tiré par l'oncle. Et Auxerre égalise sur ce coup franc tiré remarquablement par Marcel l'oncle. Auxerre, l'ailier gauche de Strasbourg en position d'avant-centre, a repris de volée à 8 mètres du but d'Autrichien et n'a laissé aucune chance au gardien. Un but partout par conséquent, très joli but. Qui annule donc le but encaissé précédemment. Cela à la 26e minute sur coup franc de l'oncle dévié par Gleichner. Auxerre égalise un partout. Alors qu'un joueur a fait son apparition dans l'équipe d'Autriche avec le numéro 12, il me faut consulter mon programme pour vous dire qui cela est. C'est Flögel. Dans l'équipe d'Autriche, Sturmberger numéro 12 remplace Ullmann numéro 6. C'est Sturmberger donc, et non pas Flögel, comme je venais de vous le dire, le speaker vient de nous le dire. Sturmberger qui remplace Ullmann au poste de demi-gauche. Koller. Changez donc sur votre programme en lieu et place de Ullmann, numéro 6, Sturmberger. Georges Lech. Kremser pour l'Autriche. Koller.
intervention de Djorkaeff. L'arbitre donne coup franc pour l'Autriche alors que les deux hommes là avaient fait une faute. Djorkaeff pour la France et Hormaier pour l'Autriche. C'est Stumberger qui joue le coup franc directement, mais à côté du but, et Bernard néanmoins était bien sorti. Devaux, Bonnel, mauvaise passe de Bonnel, Binder toujours. L'oncle, Simon, Bonnel, Rodiguero, Bonnel. Le travail de Bonnel en ce début de match est considérable. Lèche, repique au centre, l'oncle, Lèche. Ah, que c'était bien joué si Rodiguero avait pu avoir ce ballon. Pour l'Autriche, Hirnschroth. Interception de Bosquier, cela peut être dangereux aussi. Attention, Bosquier en position d'ailier gauche. Faute de main, mais involontaire, l'arbitre a raison de ne pas siffler. Buzek. Buzek, Stumberger, Hormaier, hors-jeu. Le coup de sifflet de l'arbitre a arrêté l'ailier gauche autrichien. L'ailier gauche qui opère au Sport Club, l'un des plus grands clubs autrichiens avec le Rapid de Vienne, le Wacker de Vienne et Austria de Vienne. Des noms connus, des noms fameux dans l'histoire du football. L'Autriche ayant possédé autour des années 30 une équipe fantastique appelée le Wunder Team. Équipe dont bien entendu toute l'Autriche a encore maintenant la nostalgie. Ballon en profondeur pour Djorkaeff. Djorkaeff qui a passé Kremser remarquablement. Balle à Simon. Simon qui a cherché à tirer. Entre dans les 18 mètres maintenant, balle au pied. Ah, trop voulu en faire Simon là et il a manqué son ballon. Kremser, ça ne fait rien. Hormaier, Buzek se heurte à l'oncle, Kremser, tête de Bonnel, la balle rebondit sur l'arbitre, Bonnel toujours, Rodiguero, l'oncle, elle joue bien, vous savez l'équipe de France en ce moment, l'oncle, Simon, ah non là il n'était pas hors jeu, alors là je vous assure que Simon n'était pas hors jeu, j'étais bien placé, pratiquement sur la ligne où s'est déroulée l'action. Et le juge de touche a levé précipitamment son drapeau. Enfin, ça ne fait rien. Freidl. Auxerre. Rodiguero. Bonnel. Lèche. Lèche toujours, aux prises avec Trumberger. Et Stumberger met en corner le deuxième donc du côté de Lèche. Le deuxième du match et le deuxième pour la France. Les deux équipes étant un but partout. Auxerre ayant répondu à Ullmann. Djorkaeff. L'oncle, Auxerre. À côté, non, non, à côté, à côté. Auxerre a un tir terrible là, mais à quelques centimètres à côté, le public a cru pendant quelques secondes que la balle était au fond des filets, car elle était remontée sur l'extérieur des filets. Mais c'était une fausse joie. Espérons que ce ne sera que partie remise. Perry. Hirnschroth. Hala. Gleichner. Tête de Devaux, Bonnel, Lèche, Bonnel, Lèche à nouveau, bien joué, très bien joué. Bonnel, ah non, passe trop molle de Bonnel à Rodiguero, interception de Gleichner, Buzek, Hala, Buzek, tir de Buzek contré par le dos de Devaux. Dégagement de ce même Devaux, Rodiguero. Longue transversale de Rodiguero pour Georges Lèche.
interception autrichienne. Stumberger. Buzek. Seitel. Attention, tir croisé de Seitel, mais trop croisé. La balle avait de l'effet, mais elle a filé à gauche du but de Pierre Bernard, capitaine de l'équipe de France qui effectue sa rentrée aujourd'hui à l'occasion de sa 22e sélection. Devaux. Rodiguero. Bonnel. Véritable plaque tournante de l'équipe en ce moment. Simon. Djorkaeff. L'oncle. Tire de l'oncle à côté, nettement à côté. Vous remarquerez qu'alors qu'on croyait voir cette équipe de France bétonnée, elle est résolument offensive en ce début de match. Les arrières latéraux, que ce soit Djorkaeff et Bosquier, n'hésitant pas à venir prêter main forte à leurs attaquants. Bonnel, Rodiguero bousculé, l'arbitre laisse jouer car les Français ont toujours la balle. L'oncle, Auxerre, l'auteur du but tout à l'heure, un bien joli but ma foi. Auxerre toujours, Auxerre encore, tir du gauche. Mais exactement le même tir que l'oncle tout à l'heure. La balle a filé au même endroit. Quatrième minute de cette première mi-temps, plus que 11 minutes donc, les deux équipes étant à égalité, un but partout. Simon. Lech. Ah non, Lech qui a voulu redonner à Simon, mais celui-ci était le dos tourné au ballon et les Autrichiens par Buzek repartent. Bosquier. En touche directement. Kremser, Hormayer, Stumberger qui a remplacé Ullmann après une demi-heure de jeu environ. Hormayer remet au centre pour Koller. Tir de Koller. Oh, beau tir, très beau tir. Bel arrêt de Bernard. Koller est un Autrichien de longue date puisqu'il en est à sa 82e sélection. C'est vous dire qu'il a, il est en équipe d'Autriche depuis pas mal d'années. Stumberger. Hala. Bonnel. Gleichner intercepte pour l'Autriche. L'un des deux arrières centraux, Perry pour la France maintenant, l'oncle. L'oncle toujours. Auxerre. Simon. Djorkaeff. Rodiguero. Kremser. Hormayer. Djorkaeff fait un excellent début de match. Rodiguero, bien joué. Auxerre bousculé, a néanmoins le contrôle du ballon. C'est Binder qui met en touche pour l'Autriche. L'oncle fait la remise en jeu, Auxerre. Centre de l'oncle. Et Friedel, alors que Rodiguero était très menaçant, concède le troisième corner en faveur de la France. En cette première mi-temps, toujours du côté droit, donc toujours tiré par le lensois Georges Lech. Tête de Rodiguero. Alla. Simon. L'oncle. Stumberger. Il y avait 6 maillots blancs en défense. Buzek. Devaux. Bousculé, Devaux se fait prendre par Seitel. Mais les Français au centre du terrain font la loi pour l'instant. L'oncle. Simon. Simon cherche le partenaire démarqué.
tête de Rodiguero, retournée acrobatique de l'oncle à côté du but autrichien. Un jeune spectateur vient d'être blessé par un jet de pétard. Nous vous rappelons que le jet de pétard est interdit. Nous vous prions de n'en pas jeter pour ne pas blesser d'autres spectateurs. Merci. L'oncle. Simon. Derrière lui, l'oncle à nouveau. Auxerre. Devaux. Lèche. Touche pour la France. Ou pour l'Autriche. Non, pour l'Autriche. C'est Lèche qui la touche le dernier. Kremser. Stumberger. Directement en touche. Lèche donne à Bonnel. Rodiguero. Simon. Tir de Simon et bel arrêt de Friedl qui était bien sorti et qui là avait bien fermé l'angle de tir. Il était extrêmement difficile à Simon de marquer dans la position où il se trouvait. Seitel, Kohler, Simon, déjà revenu, Bonnel, Simon, Simon, bien joué Rodiguero, Rodiguero. Ah, corner. Corner. Rodiguero a tardé à tirer, là. Il avait une occasion de tir, mais il s'est avancé. Il a voulu s'avancer davantage et le ballon a filé trop vite pour lui. Un Autrichien est touché, là. Quatrième corner pour la France. Cet Autrichien touché, c'est Halla, le numéro 2 à l'intérieur du but pour l'instant. Tiré de la gauche par Auxerre. Très belle sortie du gardien autrichien Freid. Hormayer. Djorkaeff. Plus que 5 minutes et demie avant la fin de cette première mi-temps. Toujours un but partout. Freid. Tête de l'oncle. Auxerre. Binder. Seitel. Bien joué ça de la part de l'Autrichien. Attention, là encore c'est dangereux. Oh, belle sortie de Bernard. Et très bel arrêt avec de la chance, mais très bel arrêt de Bernard qui avait réussi à se replacer car Hirnschrott avait repris cette balle. Les Français repartent par l'oncle. Bonnel, Lèche, Buzek, Lèche, Simon, laisse à Rodiguero, Djorkaeff encore une fois avec ses attaquants. Arrêt acrobatique de Friedl. Hirnschrott. Buzek. Et Djorkaeff peut donner à Bernard. Simon. L'oncle. Simon. Balle en profondeur pour Simon, s'il arrive à temps. Vous voyez que le gardien autrichien est extrêmement sollicité, mais il faut néanmoins se méfier des contre-attaques autrichiennes, le plus souvent menées par Seitel, le numéro 8, l'intérieur droit, qui a bien failli la marquer un deuxième but, et c'est lui qui était à l'origine du premier. Buzek. Seitel, c'est lui justement qui est à la lutte avec Perry. Oui. Il s'est aidé du postérieur, Seitel, c'est interdit. Et c'est un coup franc pour la France. Jouez vite. Bonnel, Rodiguero, Djorkaeff, Lèche. Touche pour la France.
Jorkaeff. Rodiguero. Lanc. Auxerre. Lanc. Simon Orge. Orge. Là, c'était net. Binder. Ala. Devaux. Jorkaeff. Tête de Kremser. Ouais, ouais, intervention pour le moins rugueuse de Jorkaeff et coup franc pour l'Autriche. Proximité de la ligne médiane. Joué par Stumberger. Numéro 12. Numéro inhabituel. Pour la tête de Buzek. Belle sortie de Bernard. Mais de toute façon, l'arbitre avait pénalisé une charge irrégulière de la part de Buzek. Et coup franc juste sur le point de pénalty. Hormayer. Seitel. Buzek. Colère, tir de colère, et c'est le but! Tir de colère de 20 mètres, et c'est le but! Le deuxième but pour l'Autriche. Un bien beau but, ma foi, car le tir de colère était de fort loin. Le public du reste applaudit, alors que l'on joue la 44e minute. L'Autriche reprend l'avantage grâce à un but de colère, son capitaine. Extrêmement défensif depuis le début du match, mais qui n'avait pas hésité là à venir prêter main forte à ses attaquants. Bonnel. Kremser. Seitel. Hala. Simon. Gleschner. Jorkaeff. Lech. Bonnel. Auxerre. Balle de Jorkaeff. Mais personne pour la France n'était là pour la reprendre. Les Autrichiens, Buzek, Hormayer. L'arbitre sifflant la fin de la première mi-temps, qui se termine donc sur le score de 2-1 en faveur de l'Autriche. Alors qu'avant de faire des commentaires après cette première mi-temps, nous allons accompagner avec les caméras de René Lucot, les Autrichiens et les Français, alors qu'ils sortent pour se rendre au vestiaire. Lech, Rodiguero, Simon, Jorkaeff. Alors qu'au premier plan, avec un imperméable, c'est notre camarade André Lecoq, photographe à l'équipe. Voici Bonnel, voici Devaux, voici Perry du Stade français, les trois arbitres. Les remplaçants, Aubourg, Herbin, Guy, Bernard, le capitaine, étant le dernier. Eh bien, cette mi-temps, donc, vous avez pu la suivre exactement comme moi, chez vous, devant votre récepteur de télévision. Et je pense que vous serez d'accord avec moi de dire qu'à la mi-temps, un score nul aurait mieux reflété la physionomie de cette première mi-temps. Mais seuls les buts inscrits comptent. L'Autriche mène 2-1 à la mi-temps. Eh bien, ma foi, nous n'avons qu'à nous incliner devant ce verdict qui est le verdict officiel et le seul qui reste. Je pense néanmoins qu'au cours de la deuxième mi-temps, les attaquants français peuvent au moins égaliser et j'espère renverser cette situation, situation qui n'est pas compromise, il s'en faut pour l'instant. Et du reste, le public, un public qui est venu extrêmement nombreux ce soir au Parc des Princes,
ce public est tout prêt à encourager une équipe de France attachante, ma foi, qui a fait de fort jolies choses dans cette première mi-temps, qui a pris un but bête qui aurait pu en d'autres temps lui couper les jambes, comme l'on dit, qui s'est bien repris, qui a pu égaliser par Auxerre, et qui, juste avant la mi-temps, a pris un but qui peut évidemment avoir une influence néfaste sur la suite de ce match, mais je ne le pense pas, en tout cas, je ne l'espère pas. 2-1 donc à la mi-temps, but de Ullmann et de Kohler pour l'Autriche, à un but de Auxerre pour la France. Je vous laisse donc avec René Lucot et ses caméras écouter quelques instants de musique militaire avant que nous nous retrouvions ensemble pour la deuxième mi-temps de ce match d'ici environ 7 à 8 minutes. Quoi qu'il en soit, cette équipe d'Autriche a eu moins d'occasions, certainement, que l'équipe de France au cours de la première mi-temps. Mais elle a su mieux mettre à profit ses occasions et elle aurait pu même marquer un autre but. Lorsque vous vous en souvenez, sur un tir de Seitl, Bernard est bien sorti. Il a repoussé la balle d'une manchette et sur le tir qui a suivi de la part de Hirnschrott, l'ailier droit, eh bien, Bernard a été assez heureux pour se trouver sur la trajectoire du ballon et détourner le tir qui partait en direction de ses buts. En ce qui concerne les Français, vous avez pu suivre le match avec moi. Je pense que deux d'entre eux, au moins, sont accrédités d'une excellente première mi-temps. Je pense surtout au numéro 2, le Lyonnais Djorkaeff, et au numéro 6, le Valenciennois Bonnel. L'oncle a été très bon dans son rôle d'organisateur au milieu du terrain. Les défenseurs français ont été bons, eux aussi, hormis la petite mésentente qui a valu aux Autrichiens de réussir leur premier point. Dans la ligne d'avant, on a surtout vu Auxerre, l'auteur du premier but et jusqu'à présent du seul but français. On a un peu moins vu les autres attaquants. Simon a eu une fort belle occasion, mais il s'est cru hors-jeu et il a perdu quelques dixièmes de seconde qui lui aurait été bien favorable pour pousser cette balle au fond des filets, balle sur laquelle le gardien autrichien Frey l'a pu revenir, vous vous en souvenez. La mi-temps se termine maintenant et les joueurs des deux formations vont revenir pour 45 minutes. Les Français d'abord, Bosquier, Guy avec un par-dessus, il est remplaçant aujourd'hui, et Aubourg. Ah, c'est Aubourg qui rentre et qui va disputer la deuxième mi-temps avec l'équipe de France. Aubourg qui remplace donc Bernard. Il doit donc y avoir en principe un nouveau capitaine sur le champ. Je pense que ce sera le Valenciennois Bonnel. À ma connaissance, c'est le seul changement. Je regarde les équipes sur le terrain. C'est donc Aubourg qui va jouer la deuxième mi-temps de cette rencontre France-Autriche en remplacement de Bernard. Alors que les numéros autrichiens, le 10 c'est Kohler, le 5 Binder à côté, Buzek l'avant-centre, numéro 9. Les Autrichiens en deuxième mi-temps vont jouer à gauche, maillot blanc, culotte noire. Et les Français à droite, maillot foncé, culotte blanche. Ce sont les tricolores, par leur avant-centre Rodiguero, qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Rodiguero, Bonnel, Lech. Bosquier, Bonnel, Bonnel toujours, porte trop la balle, Kohler pour l'Autriche, Djorkaeff, Djorkaeff, serre en profondeur Rodiguero, Gleichner met en touche, touche favorable à la France, joué par Lech, l'ailier droit de cette équipe de France, tête de Bonnel. Lech, Stumberger,
Lech à nouveau et nouvelle touche, toujours pour la France. Il est bien évident que menant 2-1, l'équipe d'Autriche va chercher à préserver ce résultat et il y aura beaucoup de monde dans les 18 mètres autrichiens. Simon, tir du gauche. Oh, très beau tir. Au-dessus de fort peu du but de Freidl. Freidl qui s'attendait à se voir pénalisé d'un corner, mais l'arbitre a décidé que c'était dégagement en 6 mètres. Alors que le public, qui attend beaucoup de Simon, scande son nom sur l'air des lampions. Pied en l'air. Non, non, coup franc. Non, non, pas touche, pas touche. Voilà, coup franc. Pour faute, pied en l'air de l'ailier gauche français Auxerre. C'est l'arrière droit Alla qui tire ce coup franc. Tête de Perry. Stumberger. L'oncle. Auxerre. Laisse derrière lui pour l'oncle. Balle en avant pour Simon. Course de vitesse avec Colère. Simon qui a senti que Colère allait passer à son gardien. Dans l'équipe de France, Bernard avait poursuivi sa course. Remplacé par Aubourg. Bernard a dû se blesser à l'épaule. Je pense que vous avez entendu le speaker sur le plongeon qu'il a fait au moment du deuxième but autrichien. Colère. Hormayer. Non, directement en touche. Touche pour la France. Deveau. Simon, laissé filer à Rudi Guerreau. Faute de Stumberger sur Rudi Guerreau, coup franc. L'oncle. Bonnel. L'oncle. Dégagement de Heinschroth, l'oncle encore. Simon. Simon toujours. L'oncle. Tire de Bonnel, ah non, tir complètement manqué. Bonnel a bien fait de prendre sa chance là, mais il a manqué son tir. Cette équipe d'Autriche pense beaucoup à la Coupe du Monde, elle aussi. Elle se trouve dans un groupe au moins aussi difficile que celui dans lequel se trouve la France, puisqu'elle devra éliminer pour aller en Grande-Bretagne l'Allemagne de l'Est et la Hongrie. Simon, course de vitesse encore une fois avec Colère. Colère qui met en touche. 7 Autrichiens en défense. Oh là là, faute de Stumberger. Qui s'excuse très sportivement et très gentiment. Coup franc joué par Djorkaeff. Tir de Bonnel et bon arrêt de Freidl. Le tir était bon, mais Freidl, le gardien autrichien, était bien placé. Heinschroth. Buzek. Hala. Buzek. Tire de loin de Buzek et première balle touchée donc par Aubourg. Une bonne première balle. C'est importante la première balle pour un gardien. Gleichner. C'est un peu appuyé sur Rudi Guerreau. L'arbitre fait signe de laisser jouer. Simon. L'arbitre là encore laisse jouer, les Français ayant gardé l'avantage. Auxerre. La balle n'est pas sortie. Auxerre a débordé sur la gauche, centre en retrait. Bonnel. Deveau. Faute de Deveau, oui. Faute de Deveau sur Stumberger. Coup franc pour l'Autriche dans les propres 18 mètres de Freidl. Tête de Buzek. Perry. Rudi Guerreau. Bonnel. Lech. Ah, bien joué. Lech a laissé filer. Bonnel avait continué. Intelligemment joué, ça. Lech. Corner. Si Gleichner n'avait pas touché ce ballon, cela pouvait être dangereux. Premier corner.
pour la France, le cinquième, je crois, depuis le début du match, alors que les Autrichiens n'en ont encore obtenu aucun. Cela situe assez la domination française, et pourtant la France est toujours menée par 2-1. Re-corner. La balle était sortie dans la courbe qu'elle a fait. Balle à effet de Lech, mais elle est sortie avant de rentrer à nouveau sur le terrain. C'est donc un dégagement en 6 mètres. Non, la balle n'est pas à l'intérieur des 6. Non. Voilà. Ala. Binder. Auxerre. Alors qu'un Autrichien reste étendu au sol. Cet Autrichien, c'est Hormayer. Le soigneur autrichien s'est précipité. Hormayer ou Binder, l'un des deux. Non, Binder, numéro 5. J'ai entendu certains spectateurs crier cinéma. La manière dont s'est relevé Binder me donne à penser qu'il n'avait pas tout à fait tort. L'oncle. Tête de Gleichner. Georges Lech. Rodiguero. Ah non. Écartelé Rodiguero. Attention à la contre-attaque autrichienne. Menée par Jan Schroth, l'ailier droit. Buzek. Seitel. Jan Schroth. Seitel. Tête de Perry. Simon. Simon qui se fait déposséder du ballon par Buzek. Hormayer, l'ailier gauche autrichien. Et Djorkaeff concède le premier corner en faveur de l'Autriche. Corner qui va être tiré par Hormayer. Huit minutes de jeu en deuxième mi-temps. Oh, quelle tête! Oh, quelle tête de Stumberger, et Djorkaeff et Aubourg étaient là. Mais c'est Djorkaeff qui, lui aussi, à l'intérieur du but, a sauvé et a mis en corner. Oh, c'était un véritable tir, cette tête de Stumberger. Comme quoi, il est toujours bon de mettre un arrière dans le cadre. Oh, très calme, l'oncle. Très sûr, il a amorti pour Aubourg. 2 Vaux. Bonnel aux prises avec Stumberger. Faute de Bonnel, oui. Coup franc pour l'Autriche. Coup franc joué par Kohler. Non, par Gleichner finalement. Djorkaeff. Simon. Bonnel. Rodiguero. Deveau. Oui, c'est exact. Lech a été poussé dans le dos par Kremser. Djorkaeff joue le coup franc. L'oncle écroulé. Que dit l'arbitre? Penalty ou coup franc à la limite? Je crois plutôt le coup franc à la limite. Oui, oui, c'est exact. L'oncle écroulé au moment où il partait au but. Qui va tirer ça?
Il y a Rodiguero, le 9, l'oncle, le 10, Bosquier, le 3, Simon, le 8. Bosquier avait passé un bon tir sur cette passe de l'oncle, mais au-dessus du but de Freid. Alors que la pluie qui était tombée une bonne partie de la journée sur Paris a fait sa réapparition. Heureusement, il s'était arrêté de pleuvoir vers 1h de l'après-midi sur la capitale. Sinon, la pelouse aurait été difficilement praticable ce soir. Là, il commence à pleuvoir à nouveau, une petite pluie fine, une pluie de mars. Une pluie de giboulées. Seitl, marqué par Perry. L'oncle. Hala. Perry. Bonnel, Stumberger, en profondeur pour Seit. Aubourg sorti, protégé qu'il était par Perry. Le méridional du Stade français qui débute, il fait partie d'un des 6 débutants de cette équipe de France. C'est un des 6 débutants de cette équipe de France. Lech, ah, trop loin, il a un contre favorable Lech, mais deux Autrichiens étaient là en couverture. Perry. Elle se désagrège, l'équipe de France, pour l'instant. Il faut qu'elle se reprenne. Hala. Non, direct en touche. Auxerre. Long fait la remise en jeu. Simon. Hirnschroth. Seitl. Deveau, Perry, Deveau. L'oncle fait la remise en jeu. Seitl, Buzek pour l'Autriche, bien sûr. Intervention de Deveau. Simon écarte le jeu pour Djorkaeff. Kremser en touche. Concède beaucoup de touches les Autrichiens en cette deuxième mi-temps. Rodiguero. L'oncle. Contrôle de Auxerre. Auxerre toujours. Ah, dommage! Ah, quel dommage! Auxerre et l'oncle se sont gênés l'espace d'une seconde. Et c'est cette seconde qui a manqué à Auxerre au moment d'arriver sur le point de centrer. Le public n'apprécie pas. Les Autrichiens gagnent quelques précieuses secondes. Simon. Bonnel s'est fait mal là. Je l'ai vu grimacer sur le coup. Mais il est solide, Bonnel. Deveau. Hirnschroth, Buzek. Buzek à nouveau en pointe. Seitl, Hala, Binder, Buzek, faute de Perry. Hala, Deveau pour la France, l'oncle, Auxerre, non. Surpris par ce ballon, la balle sort. Bosquier,
Auxerre, l'oncle. Coup franc pour la France. C'est Seitel qui avait fait une faute sur Auxerre. Deveau. Je crois que les Français ont intérêt à garder la balle à terre, comme ils l'avaient fait en première mi-temps. Lèche accrochée, vous l'avez vu comme moi, pénalisé d'un coup franc alors que l'arbitre va faire des observations. Voilà. À M. Kremser qui était coupable de cette irrégularité. Simon, Bonnel, bousculé dans le dos, Bonnel, nouveau coup franc. Djorkaeff. Lèche récupère cette balle. Centre, dégagement de Binder. Les Français récupèrent ce ballon encore une fois par Djorkaeff en position d'ailier droit. Lèche. Oh là là, Rodiguero avait bien repris de la tête cette balle que Freidel n'avait pu maîtriser. Mais il l'a mise au-dessus et nous ne pouvons lui en tenir rigueur car là, il n'a fait qu'une simple opposition. Il ne pouvait décemment pas faire autre chose. C'était difficile, voilà tout. Tête de Deveau, Simon. Buzek. Interception de Bosquier. Bonnel. Colère de la tête pour l'Autriche. Seitel. Bonnel. Vraiment partout, Bonnel. L'oncle. Ah non. Hala. Binder. Gleichner. Hala. Bosquier. Simon. Bonnel. Bonnel, Bonnel. Ah, quel dommage. Auxerre n'a pu maîtriser cette passe de son camarade Bonnel. Toujours 2-1 pour l'Autriche. Est-il besoin de préciser que toutes les minutes qui passent sont défavorables à l'équipe de France. Bosquier. L'oncle. Bonnel, directement pour Hala. Hormayer, Buzek. Buzek. Non, Binder récupère ce ballon pour l'Autriche. Bonnel, Djorkaeff, Lèche. Obstruction de Kremser, mais Lèche passe quand même. Simon. En profondeur pour Lèche. Balle en cloche, très bien joué. Reprise de volée de Bonnel. Mais dégagement en touche de Gleichner. Et le public a raison, je crois, d'encourager l'équipe de France car elle en a besoin. L'oncle. Auxerre. Peut égaliser cette équipe. L'oncle remet mais à côté. Pendant que Freid se prépare à dégager un coup d'œil sur mon chronomètre, on joue la 21e minute. Reste encore 24 minutes donc avant la fin de ce match. Alors qu'il pleut de plus en plus fort. Ian Schroth.
Je ne crois pas me tromper en vous disant qu'une victoire par 2-1 serait très appréciée de nos visiteurs autrichiens. La manière dont ils se comportent, là, ne laisse place à aucun doute. Bonnel, Rodiguero. Bonnel, Lech. Djorkaeff avait laissé passer, il a cru qu'il avait quelqu'un de mieux placé derrière lui, ça n'était pas le cas. Au centre du terrain, tête de Bosquier, Deveau. Auxerre de la tête, mais en touche. Hala. Buzek. Poursuivi par Simon. Buzek. Perry à Aubourg, pardon, j'allais dire à Bernard. Aubourg ayant revêtu le maillot de Bernard à la mi-temps. Colère. Faute de Seitel, qui s'est aidé des bras pour jouer cette balle. Coup franc joué par Perry. Djorkaeff. Bonnel. Stumberger. Djorkaeff. Lech. Lech toujours. Ah, formidable Lech. Corner. Ah, c'était joli. Vraiment balle au pied, c'est un grand, très grand joueur ce Lech. C'est agréable de le voir descendre le long de son aile comme cela. Il a joué lui-même le corner, dégagement du point. Djorkaeff avait tiré. L'oncle. Simon, pris de vitesse, balle à Freidl. Oui, la faute de Perry qui a poussé Seid. Tout à l'heure, c'était le contraire. Seid l'avait bousculé Perry. Binder joue le coup franc. Bonnel, Simon. Rodiguero, Lech. Simon. Simon tire bien, fort bien. Mais Freidl l'arrête fort bien lui aussi. J'ai l'impression que si la France pouvait égaliser, si c'est Simon qui pouvait égaliser pour la France, cela libérerait tout le monde, spectateurs et joueurs. Auxerre, bousculé d'une façon tout à fait irrégulière par Gleichner. L'arbitre lui dit qu'on ne doit pas mettre la semelle. Vraiment, l'intervention était des plus rugueuses. Coup franc joué par l'oncle. Bosquier. Redonné à l'oncle. Centre de l'oncle. Rodiguero était prêt à plonger pour reprendre cette balle de la tête, mais la défense autrichienne s'est bien dégagée. Tête de Perry. L'oncle. Deveau. Buzek. Hormayer sauve la touche. Kremser, Buzek. Perry. Bonnel. Simon. Rodiguero. Bonnel. Pour Simon, mais la balle sortira, je pense. Oui, oui. Elle était trop forte, cette balle.
tous les prétextes sont bons aux Autrichiens pour gagner quelques secondes. 26e minute. Tête de Bonnel. Koller. Binder. L'ancle. Pour Auxerre. C'est l'Autrichien qui se tord de douleur, alors que c'est lui qui était rentré pour un tacle du reste assez régulier, un peu rude mais régulier sur Auxerre. L'arbitre fait signe que tous ces arrêts de jeu seront décantés à la fin du match. Ian Schroed pour l'Autriche. Hala. Perry intercepte pour la France. Bonnel. L'oncle. Auxerre hors-jeu. Oui, oui. Hors-jeu de quelques mètres. 3 ou 4. Ils ont des vilains gestes, ces Autrichiens. C'est dommage, car ils n'ont pas besoin de ça. Bosquier, tête de Simon, Djorkaeff, s'est pas laissé prendre par le rebond, Bonnel, Djorkaeff, Lech, et il pleut de plus en plus fort maintenant, Lech toujours, Bonnel, Lech, dans les 18 mètres, aux prises avec Kremser, tête de Rodiguero, Schlumberger, Hormayer, Buzek. Seit, Buzek. Sorti. Il y a une double confrontation franco-autrichienne aujourd'hui, en dehors du match auquel vous assistez. L'équipe de France B affrontait l'Autriche B à Salzbourg et les Français ont gagné par 2-0. Un but du Nantais Blanchet et un but du Lyonnais Dinalo. Hormayer a débordé Djorkaeff. Bon tir et bon arrêt de Hobourg. Bon tir de Hormayer. Ils n'auront pas tiré souvent au but les Autrichiens, mais les rares fois ils l'auront fait, ces tirs auront été dangereux. Bonnel, l'oncle, Gleichner, Hala, Gleichner, faute de Seitel. Bosquier a tiré le coup franc. L'oncle. Bonnel. Binder. Ian Schroed. Hors-jeu, Seitel. Le juge de touche avait levé son drapeau et l'arbitre avait sifflé.
Bosquier. Buzek. Bosquier encore. Bonnel. Lèche. Simon. Simon prise avec colère. Redonne à Lèche. Corner. Les Français ont totalisé les corners, mais le score leur est toujours défavorable alors que nous entrons dans le dernier quart d'heure. 2-1 pour l'Autriche. Simon tire. Mais de loin, Fried a eu tout le temps de s'accroupir sur cette balle. Bosquier. La touche était mauvaise, les talons avaient quitté le sol. Faute de Hala sur Auxerre. Je pense que vous serez d'accord avec moi en disant que la première mi-temps a été beaucoup plus plaisante que la seconde. L'oncle tire le coup franc du pied gauche. Schlumberger. Hormayer. Buzek. Hirnschroth. Djorkaeff. Bonnel. Djorkaeff. Auxerre est là-bas en position d'ailier droit. Gleichner directement en touche. Ah, c'est pas croyable ces Autrichiens, toutes les irrégularités qu'ils peuvent faire maintenant. C'est à croire que c'est un match de Coupe du Monde, alors que ça n'est qu'un match amical. Djorkaeff. Bonnel. Tir contré par Gleichner. Hirnschroth pour l'Autriche. Devaux, Bonnel, Simon, et touche, Hormayer. Alors que l'arbitre donne coup franc pour faute de Simon sur Hormayer. Colère a tiré le coup franc. Bonnel. Simon. L'oncle. Rodiguero. Bosquier. Non, la balle est sortie. Ah, les Français auront du mal maintenant. Ils auront du mal car les Autrichiens veulent à tout prix conserver ce résultat. Et il ne reste plus que 3, 6, 9, 10, 11 minutes de temps réglementaire. Mettons une minute ou une minute et demie pour les arrêts de jeu. Il doit rester 12 à 13 minutes de jeu environ. Tête de l'oncle. Auxerre. Bousculé d'une manière irrégulière encore une fois par Hala cette fois. Ils ne font rien pour se rendre sympathique, cette équipe d'Autriche. C'est l'oncle qui tire le coup franc pour la France. Tir de Perry. Tous les Français sont là pour tenter d'arracher une égalisation. Tir du gauche de Lèche.
mais à côté du but de Freyde. Tous les Français montent maintenant pour tenter d'égaliser. Devaux, l'oncle, Ian Schroth, hors-jeu, Saïd. Mais là, je ne pense pas qu'il était hors-jeu car Perry se trouvait derrière. Peut-être était-il hors-jeu au moment du départ de l'action. Binder fait la remise en jeu. Tête de l'oncle. Voilà. Devaux, premier sur le ballon. Devaux toujours. Bonnel. Rodiguero. Français s'énerve là et ils commettent maintenant quelques maladresses évidemment. Ils veulent tellement égaliser. C'est Binder qui a donné en retrait à son gardien. Alla. Buzek. Ian Schroth. Voilà. Je ne crois pas me tromper en disant que les arbitres belges, puisque les trois arbitres qui officient, tiendront compte de tout ce temps à la fin du match. Du reste, l'arbitre appelle le capitaine autrichien. Colère. Pour lui faire signe qu'il rajoutera 3 minutes. À la fin du match. Hormaier. Tir de Hormaier à côté. Les Autrichiens ont peut-être tiré 5 fois au but depuis le début du match et ils ont marqué 2 buts. C'est un bon pourcentage de réussite. Au bout. Schlumberger. Oh non, non, tout de même pas. Je veux bien que l'on passe en retrait, mais pas du centre du terrain. Alors qu'il y a deux partenaires démarqués à côté. Bosquier. Bonnel. Rodiguero. Rodiguero. L'oncle se bat comme un beau diable pour essayer de récupérer cette balle. Mais pour l'instant, c'est Saïd qui l'a. À qui la touche, au Français. L'oncle effectue la remise en jeu. Simon. Auxerre. Le choc a été rude entre Auxerre et Gleichner. Coup franc pour l'Autriche. Ian Schroth. Perry. Simon. Bonnel. Rodiguero. Talonnade pour Lech. Balle trop faible. Bonnel. Seitl au milieu du terrain pour l'Autriche. Non, la balle sort. Sur la pelouse humide, maintenant, les balles fusent évidemment.
Bonnel. Rodiguero. Colère. Seitel. Gleichner. Buzek. Hala, l'arrière droit, fait leur mise en jeu. L'ancre. Bosquier. Djorkaeff. Tous les Français sont à l'attaque alors qu'il ne reste plus que 6 minutes à jouer. Simon. Perry, calmement. Simon. Bonnel a redonné à Simon en position d'ailier droit. Centre de Simon. Corner. Encore un. Le huitième ou le neuvième, je ne sais plus. Contre un seul à l'Autriche. L'oncle tire le corner. Touche pour l'Autriche, c'est l'oncle qui a sorti le ballon. Plus exactement, c'est le ballon qui lui a rebondi dessus. Toujours pour l'Autriche. Binder. Perry. Simon, l'oncle, Deveau, donne à Djorkaeff. Encore Deveau, encore Djorkaeff, Bonnel, Djorkaeff, Rodiguero. Bonnel, mais c'est Colère qui a le dernier mot, donne une longue balle en avant pour Hormaier, son ailier gauche. Seul attaquant autrichien pour l'instant, Bosquier. Avec des grands espaces libres, évidemment, les Autrichiens peuvent être dangereux comme ils ont failli l'être sur cette attaque. Auxerre. Bonnel. Rodiguero. Si la balle sort, c'est encore un corner. Non. Gleichner a sauvé et la balle est finalement sortie en touche. Peu de temps avant la fin du temps réglementaire. Corner, à nouveau. Voilà, le temps réglementaire est maintenant terminé. L'arbitre fait jouer les arrêts de jeu. Tir de Simon, tir de Bosquier, mais au-dessus du but de Fried. Ah, l'arbitre donne faute contre Bonnel, là c'est sévère. J'aurais plutôt pénalisé Schlumberger qui s'est aidé de son bras. Là par contre il y a faute de Deveau que l'arbitre n'a pas vu. Simon.
Tête de Lan. Simon. Ah, c'était la balle de match. C'était la balle de match, probablement. Simon à la limite du hors-jeu, seul devant Freil. Freil bien sorti, mais en corner. N'a pas pu, et Auxerre non plus, malgré un retourné acrobatique, alors que Freil avait déserté son but. L'arbitre sifflant la fin du match, qui se termine donc par la victoire de l'Autriche, qui ce soir au Parc des Princes a battu la France par 2-1, le score étant obtenu à la mi-temps. Deux buts autrichiens de Hulman et de Koller, un but français de Auxerre, le tout en première mi-temps. Mais je crois que l'équipe de France a laissé passer sa chance au cours des 45 premières minutes. Et si le public siffle là, ça n'est pas tant la défaite de l'équipe de France, mais c'est surtout, je pense, le comportement d'une équipe autrichienne qui, malgré sa victoire, n'aura pas su se rendre sympathique. Score final donc 2-1, c'est une nouvelle défaite pour l'équipe de France. Mais ça n'est pas une défaite honteuse, car l'équipe de France a donné des espoirs, je le répète, surtout en première mi-temps. Il y a maintenant 3 semaines d'ici le match contre la Yougoslavie. C'est celui-là qu'il ne faudra pas perdre. Alors espérons, je crois que les espoirs matérialisés en première mi-temps pourront se concrétiser à Belgrade. C'est du moins le souhait que nous formulons ce soir au Parc des Princes. Alors que les deux équipes regagnent le vestiaire, je vous répète une dernière fois le score, Autriche 2. France 1, c'était un reportage qui vous était transmis depuis le Parc des Princes à Paris. Les commentaires étaient de Thierry Roland et les images de René Lucot.